Attends, mais où est-ce que je vais? Oh, je me suis perdu. Yo les mecs, yo, salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je vous prends quelques secondes avant que la vidéo commence pour vous dire que j'ai enfin créé la chose la plus attendue que vous m'avez demandé partout. Léo fait un Instagram spécial pour les mecs qui kiffent la moto, qui veulent rouler avec toi, qui veulent discuter de moto et tout. Donc les mecs, j'ai exaucé vos souhaits, punaise. Voilà, il est juste là, donc c'est l'Instagram pour tous ceux qui veulent rouler avec moi, pour tous ceux qui veulent discuter moto, parce qu'il y a déjà un peu moins de monde sur cet Instagram que mon Instagram principal qui est juste ici. On a dépassé les 5000 abonnés sur cet Instagram, merci à tous. Donc je disais, j'ai créé cet Instagram pour tous ceux qui veulent rouler avec moi. Donc pour rouler avec moi les mecs, faut être dans un cercle. Vous prenez Seclin dans le nord, la petite ville, la Seclin. Vous faites un rayon de 30 km tout autour. Et tous ceux qui sont dans ce rayon et qui ont des 50 quittés, des scooters ou je ne sais quoi, ou même ceux qui sont plus loin mais qui veulent venir, et bah les mecs, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur cet Instagram, on pourra discuter et planifier pourquoi pas un tournage de vidéo qui pourrait être vraiment cool à faire. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette petite nouveauté quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, tous ceux qui veulent rouler. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour plus de motovlogs, pour que j'en sorte deux par semaine. Motivez-moi les mecs et je vous le ferai. Sur ce, c'était Léo. Je vous souhaite une très bonne vidéo. On se retrouve à la fin de vidéo car j'ai encore un message à vous dire. Allez, ciao. J'allais oublier, pour tous ceux qui m'ont demandé si j'avais enfin trouvé mon nouveau casque, malheureusement je cherche toujours des bonnes marques mais je trouve pas. Et pour le pot, je pense qu'on va partir sur un pot Léo Vince ou Yasuni. Je sais pas, parce que les autres vous m'avez dit qu'il y avait des réglages à faire ou je sais pas. Et dites-moi s'il faut redébrider un pot qu'on achète. Genre si j'achète un Yasuni demain, est-ce qu'il faut que je le redébride pour qu'il aille encore plus vite? Je comprends pas. Mais en tout cas, je pense que ça va jouer entre Yasuni et Léo Vince, parce que c'était les marques que vous m'avez conseillé. Après il y avait du Bidalo aussi je crois, du MKR, mais je crois que vous m'avez dit ça c'est pour des prépa ou quoi, j'ai pas trop bien compris. N'hésitez pas toujours à me donner des conseils en commentaire, je lis vraiment tout, hein. Je réponds peut-être pas tout, mais je lis tout et ça me conseille vraiment sur le choix des pots, hein. Merci à tous, ciao. Je viens de tourner une vidéo et je viens de la supprimer. Juste pour libérer ma carte SD, j'ai fait quoi? Bah j'ai supprimé une vidéo que je venais de tourner. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Léo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, contenu vivial, joavial que je vous propose. Ça fait genre 1h30 que je tourne et je rigole, je fais des blagues et tout. Bah dis donc, c'est trop beau pour être vrai, j'ai tout supprimé. Mais comme je ne vous laisse pas sans contenu et que je suis un gentil garçon, comme je suis de bonne humeur, qu'il fait beau et que tout va bien, et bah je décide de réitérer l'opération, de vous faire une nouvelle vidéo encore une fois. Donc si vous avez accepté mon geste de générosité et que vous l'avez bien accepté, vous avez dit ouais Léo t'es vraiment un beau gosse, et bah n'hésitez pas à souscrire à un abonnement. Le jour où cette vidéo sort, je ne sais pas combien on sera sur la chaîne, mais je sais qu'à l'heure actuelle on est 29 700. Du coup je tenais tous à vous remercier de me suivre au long de mes belles aventures en 50 cm3. Et voilà, c'est tout, c'est fini. J'espère que quand cette vidéo sortira, je serai genre à quoi, 40, 100 000, 290 000 abonnés. Non, en vrai, merci à tous de me suivre, c'est incroyable. On prend beaucoup d'abonnés par mois. J'essaye de vous sortir une à deux vidéos, enfin une c'est sûr, voire deux vidéos par semaine quand j'y arrive. Voilà, parce que c'est quand même une cadence à tenir, tu vois, faut savoir quoi tourner. Des fois je sors, je prends ma cam, je prends la moto, je me balade, mais j'ai rien à vous dire. Mais il y a des jours comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui c'est un jour avec. Donc, je suis content. Un jour j'irai à Tahiti avec ta soeur et ta cousine. Est-ce qu'on a réussi à trouver le point mort? Attention, test du point mort dans 3, 2, 1. On a trouvé le point mort, putain. Mais Léo, mais t'es une bête. Elles me disent tout ça. Ouais, ouais, bien sûr, Léo, arrête de te croire pour je sais pas qui. On tente les 1000 pouces bleus. Traduction, les 1000 pouces bleus. Parce que je vois qu'à chaque vidéo, il y a 1000 personnes qui appuient sur le bouton pouce bleu. Et bah, si on a 1005 sur cette vidéo, je me rase l'oreille gauche. Ouais, ouais. En plus, j'ai mis mes petits gants de VTT. Je sais, je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais avec les autres gants, j'avais trop chaud. Et comme il fait super chaud dans le nord, même si on pourrait pas le croire, et bah, j'ai changé de gants. Que vous le vouliez ou non, j'avais chaud. Oh, il m'a dit bonjour. Quel plaisir. Même en 50, les gens te disent bonjour. J'ai jamais compris. C'est quoi? C'est une priorité? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, vous vous demandez? Même moi, j'en ai aucune idée. Alors, je vous propose, vous avez plusieurs choix. De toute façon, vos réponses, eh ben, je pourrais pas les avoir. Donc, en vrai, vous n'avez pas vraiment le choix. Mais je vous propose d'aller admirer vos belles mirettes sur un bel étendu d'eau. Léo, vraiment, faut que tu retournes à l'école. Ça fait 99 km que j'ai pas fait le plein. Il y a tout le monde qui s'en fout, mais je tenais à vous le dire.
Regardez les petites regardes, on va leur dire bonjour à se prendre avant. Oh, il m'a pas mis avant. Il m'a pas mis avant, je l'aime. Même papy en Harley, je te fais des enfants. Oh non, Léo, il y a beaucoup de voitures. Oh, attends. Ah, la flemme de rétrograder tout. T'es un beau gosse, Léo, mais. T'as vu le. Eh, papy, il s'est dit, vas-y, est-ce que je lui dis bonjour à ce kéké? Au final, il a vu que j'étais équipé, ou il a vu que j'étais beau gosse, et il m'a dit bonjour. Par contre, sa jante demoiselle ne m'a pas salué. Je suis octroyé de cette mauvaise nouvelle. Eh, je me fatigue moi-même. Alors attends, si j'en retiens mes sources, c'est là-dedans. Ah ouais, mais là, je change carrément de pays, là, d'où il y a encore des pavés. Oh non, mais dans quoi je m'aventure encore? Eh, c'est pas une crosse que j'ai. Oh. Ouais, d'accord, cous. Non, mais faut que j'arrête. Eh, j'abuse. Je suis tout le temps dans l'abus, moi. Attends, mais je vais pas laisser ma moto en plein milieu des bois. Et je vais revenir, elle va être sous 12 litres d'essence. Il y a pas un parking? Oh, mais où est-ce que je vais? Oh, je me suis perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais où est-ce que je suis arrivé? Alors c'était pas vraiment ce que j'avais prévu. Non bah non, essaye de pas caler, ça serait cool en fait. Mais attends, je vais pas me garer là quand même. Genre y'a pas un parking. Attends, on va essayer de chercher où est-ce que je pourrais me garer. Parce que là, Pélo, allez sortez-moi le 12 là. Ces petits pigeons là, on va se les faire. J'ai décidé de faire un choix, je vais aller mettre la bécane là-bas parce qu'il y a des maisons. Allez, ça part. Let's go. Bon par contre faut pas te pousser fils de... Oh, je suis 5 à temps ou quoi? M'énerver là, toi. Je descends, je lui mets un pain, il tombe, j'enlève ses roues, je m'en vais en courant. T'as, il y a pas ses. Ah, ouais, il se fout de ma gueule ou quoi? Le mec est en plein milieu, il voit pas que j'arrive. Ah, ça m'énerve. On va aller garer la moto là-bas, là, au moins elle sera déjà mieux parce que vas-y. On ne sait jamais. Oh punaise, on n'est jamais trop prudent. J'ai le droit de la mettre là. Mais d'abord, faut trouver le point mort. Passe entre ces petits plots. Tranquille. Bon, allez, je te mets là, Jocelyne. Tu bouges pas, t'es bien gardé. Et voilà dans quoi je voulais vous amener, les mecs. Bon, vous en pensez quoi de ma visite territoriale? Je suis dégoûté, on pouvait pas aller au bord de l'eau. Moi je voulais aller au bord de l'eau. Tac tac, 2-3 petites longueurs et tout. Moi je suis essoufflé juste parce que je marche. Hop là, boum, coup de boule dans les branches. Est-ce qu'il y a encore ma bécane? Mais c'est ça qui est beau, tu vois. Tu te balades, tu t'arrêtes où tu veux, tu vas voir. C'est ça le voyage, c'est ça l'expérience. Ça te forge une expérience. Je raconte n'importe quoi, c'est le soleil qui tape sur mes systèmes neuronales. Avec ça, un coca bien frais chacal. C'est pas qu'elle nous monte son cul celle-là. Oh, j'étais pas éduqué comme ça moi. Oh la selle elle est chaude. Oh punaise. Oh. On allume. Regarde, t'as vu cette animation? Animation McLaren le truc. Point mort. Ça y est, et je sais vraiment pas rouler. Allez, c'est parti. Oh là là, mais je sais pas rouler. C'est bizarre que je galère autant avec mes vitesses. Ah. Quel plaisir, un peu de vent là. J'ai même pas envie d'accélérer. Y'a pas un régulateur de vitesse, ça régule ta vie. Ouais. Enfin un truc qui bloque ma main. Et au moins elle accélère toute seule. Ça serait carré ça, non? Ça serait carré, on est d'accord. Très bientôt normalement il y a des vidéos avec des abonnés qui sortent. Des tests de leur bécane, de leur scoot, des petites balades avec les abos qui peuvent être grave cool. Et bah moi je vais me rentrer. Enfin non, je vais rentrer. Ouais, je vais pas me rentrer. Bah oh wow. Attends, faut lui donner le nom d'une meuf. Au moins j'aurai au moins une meuf dans ma vie. Comment je pourrais l'appeler celle-là? Dites-moi des prénoms. J'aimerais bien un petit. Ah ouais, oh là, un américain. Ah non. Enfin un gros truc avec une merguez là. Des frites, du ketchup. Oh là là. Oh là là, ça. Ça me donne des papilles dans le ventre. Qui me fait en perdre la limitation de vitesse à 30 km/h. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route. Oh, dans le. Qui fait toujours plaisir. Est-ce que vous pensez qu'un jour j'aurai 100 000 abonnés? Est-ce que vous pensez qu'un jour j'aurai un trophée? Est-ce que je mérite? Dites-moi, est-ce que je mérite plus d'abonnés pour que YouTube y voit dans les commentaires que tout le monde me dit oui, Léo, t'es vraiment trop fort, trop beau, tu mérites. Et au moins, YouTube, il va se dire oh, comme tout le monde dit ça, on va le faire. Et là, toc toc, petit livreur, petit trophée des 100 000. Oh là là, avec une bécane. Il vient avec un trophée, une nouvelle bécane. Oh, ça serait magique.
Allez, on s'est fait un kiff là. Là, on s'est fait un kiff dans les virages là. Mais c'était un petit kiff, ouais. J'ai voulu m'appliquer pour une fois. Pour vous montrer que je sais prendre des virages. Mais pas des ronds-points. Non, les ronds-points, j'ai pas signé contrat pour savoir prendre des ronds-points, moi. Je suis pas encore assez expérimenté. Oh, attends, il y a un rendez-vous là. Attends, il y avait une quoi, une YF? Eh, faut que ça devienne mon pote lui. C'est moi ou ils sont en plein milieu de la route et je vais pas pouvoir tourner là. Ah, mais non, mais si on la perception cavalière. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Ah, en tout cas, j'ai kiffé rouler avec ces petits gants là. Ça a laissé passer un peu l'air. L'air chaud qui vient d'Afrique. Moi, ce que je trouve fort, c'est la lune. On peut la voir de partout. Tu peux la voir à 10h à Dubaï. Ensuite, tu peux la voir en France. Tu peux la voir partout. Et c'est vraiment une chose que j'apprécie de voir la lune. C'est quoi toute cette population? Ah, mais ouais, mais je crois qu'il y a une fête. C'était l'Aïd il y a quelques jours. Eh ben, je sais pas comment ça se dit, mais bonne Aïd à tous. Je crois que le rituel, c'est de manger un... J'allais dire manger un chien. Non, c'est de manger un mouton. En même temps, c'est à moi qui devrais dire merci. Je leur ai pas fait une petite chipolata, leur chihuahua, là. Ah, j'ai mal à mon dos. On dirait pas un vieux qui se plaint. Les gens, ils doivent en avoir marre. Je passe une fois par jour. Je casse les couilles à tout le monde. Je roule comme un zozo. Je fais du bruit. Les gens, ils doivent en avoir marre. Je vais pas. Mais je connais que ces routes-là. Arrêtez de m'en vouloir. La paranoïa. Bah, lui aussi, il s'est perdu, donc. Tu cherches la fête? Moi, j'ai pas été invité. Bon, allez, on va rentrer, les mecs. Bonne soirée à tous. Bonne journée. Good day. Good evening. Good day, everybody. Ciao. Eh, vous avez kiffé ou pas? J'ai tourné avec la nouvelle caméra, la Canon Legria Mini X, pour faire des vlogs et tout. Dites-moi si c'est bien, si la qualité est bonne. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que vraiment, votre avis, bah, c'est le principal, quoi. Si vous kiffez, je continue. Mais donnez-moi d'autres idées de motovlogs à faire, parce que ce genre de motovlogs, je trouve qu'ils sont de plus en plus ennuyeux à regarder. Et moi, je veux faire des vrais trucs pour vous, pour que ça soit cool à regarder. Du coup, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, je pense que déjà, les vidéos avec les abonnés, ça va beaucoup vous plaire. Allez, transition plafond, à la semaine prochaine, c'était Léo, plein de bisous, ciao.